Oui, c'est la deux, c'est celle-ci. Celle-là, d'accord. Merci d'être là en tout cas, et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup. Merci bien, Olivier Revol. Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, d'excuser monsieur le recteur de l'Académie, Roland de Bache, que je représente aujourd'hui. J'en profite pour saluer bien évidemment en son nom le président que vous représentez, monsieur du Conseil Général. J'en profite pour saluer également madame Remer, inspectrice d'Académie, mes collègues, inspecteurs, conseillers pédagogiques, peut-être également les enseignants référents, il me semble en avoir aperçu quelques-uns dans cette assemblée, ce qui prouve, mesdames et messieurs, que même sur sollicitation associative, l'institution que je représente sait répondre présent ou présente. Voilà, donc pour dire, c'est quelque chose en deux mots. Je voudrais très rapidement présenter la politique du ministère, de notre ministère de l'Éducation nationale, qui est une politique qui a radicalement changé, qui a été radicalement transformée par la loi du 11 février 2005. C'est-à-dire, cher professeur Fourneret, que nous ne parlons plus aujourd'hui dans notre institution d'intégration. Alors, c'est pas par rejet de ce concept, je crois qu'il est suffisamment fort, il a suffisamment traversé les différentes sphères sociétales depuis au moins 1975, depuis la loi précédente, la grande loi précédente, même si nous avons également celle de 89 qui a modifié, perverti un certain nombre de responsabilités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, nous considérons la scolarisation comme principe de droit commun. Je parlerai tout à l'heure de politique inclusive, j'essaierai d'avancer un peu là-dessus, mais les élèves, qu'ils soient 10, qu'ils soient atteints de troubles auditifs, visuels, qu'ils soient atteints de troubles autistiques, qu'ils soient atteints de n'importe quel autre trouble, appartiennent dans notre institution à cette grande famille des élèves à besoins éducatifs particuliers. Si j'osais, je dirais qu'il représente à peu près 99,9% de la population scolarisée, mais je m'en tiendrai aux 20% que vous avez donné tout à l'heure. Élèves à besoins éducatifs particuliers, on retrouve des élèves nouvellement arrivés en France. Nous retrouvons dans cette catégorie des élèves issus des populations du voyage. Nous retrouvons des élèves intellectuellement précoces, avec les différents troubles scolaires que cela peut engendrer, les enfants malades, accidentés, convalescents, bref, si j'osais encore une deuxième fois, je dirais que les troubles 10, j'y viendrai tout à l'heure, représentent une quantité importante de la difficulté scolaire, mais ne représentent pas la totalité des efforts que nous avons, nous, à fournir pour les scolariser dans des conditions ordinaires, décentes. Pourquoi je dis décentes ? Parce que même si vous avez parlé de 10 ans, d'une décennie de prise en compte, de réflexion spécifique sur ces problématiques, l'éducation nationale a patiné. Il faut le dire, c'est pas la peine. Nous avons mis longtemps avant de considérer cette problématique comme étant une problématique véritablement à traiter de manière scolaire et à prendre en compte de manière scolaire. Nous avions tendance, et quand vous parlez de dépistage précoce, de diagnostic précoce, je me dis que sur un certain nombre de troubles du langage écrit notamment, il nous faut être attentifs à ne pas mélanger ces dépistages, ces difficultés liées à des troubles, aux difficultés naturelles, normales, de l'élève qui apprend à lire. Donc, nous sommes très prudents, le docteur Cross parlera tout à l'heure de tous ces exercices auxquels nous nous livrons dans la sphère scolaire. Il nous faut être particulièrement prudents, mais vigilants, de façon à ne pas passer à côté des difficultés qui, elles, mériteraient effectivement un étayage partenarial, comme vous l'avez dit si justement il y a quelques instants. Donc, une politique de scolarisation et non plus de prise en charge d'élèves en situation de handicap. Alors, le grand changement depuis une dizaine d'années, depuis 5 ans en tout cas, depuis l'émergence de la loi sur le handicap et l'autonomie, c'est de considérer le lien au rapport scolaire comme un lien personnalisé. Alors c'est intéressant de le penser comme ça,
au moment où notre institution, avec d'autres partenaires, avec l'Assemblée nationale, avec toutes les sphères de notre société, notre institution est en train de réfléchir au rythme scolaire en se posant la question du rythme journalier, du rythme hebdomadaire, du rythme mensuel, du rythme annuel, etc., du lien entre l'école et les périodes de congé. Eh bien, nous sommes peut-être, avec les élèves atteint de troubles 10, comme avec tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, peut-être en train de transcender cette notion de rapport au rythme scolaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi de 2005 instaure un projet personnalisé de scolarisation. Alors bien évidemment, la Maison du Handicap notifie un projet personnalisé de scolarisation, reconnaît donc une situation de handicap. Elle ne la reconnaît pas forcément à tous les élèves atteints de troubles 10. Pas forcément tous. Il y a de nombreux élèves qui ont des difficultés de cette nature, qui ne sont pas reconnus parce que ces difficultés ne sont pas suffisamment importantes pour perturber de manière durable, comme vous avez dit tout à l'heure, le rapport à l'école. Mais il y a sans doute, je parlerai chiffres tout à l'heure, il y a sans doute davantage d'élèves en situation de trouble à l'école que nous n'en recevons, si je puis dire, sur le plan du handicap. Alors les autres, on peut peut-être, effectivement, docteur Christine Cross, on peut peut-être les traiter dans un autre cadre, avec d'autres types de projets personnalisés. Mais enfin, revenons à l'orientation personnalisée. L'intérêt de cette problématique nous interroge sur la question des rythmes scolaires d'une manière d'ailleurs particulièrement intéressante. Monsieur le recteur a organisé mercredi matin une table ronde autour de la question des rythmes scolaires et plusieurs intervenants ont dit « les élèves en situation de handicap interpellent l'école d'une manière radicalement différente ». Il existe à la Maison du Handicap une équipe ou des équipes pluridisciplinaires d'évaluation qui se penchent, qui réfléchissent aux besoins des élèves, besoins physiologiques, besoins liés aux conditions d'apprentissage. Et pour le coup, notre école, depuis 2005, mais depuis beaucoup plus longtemps que cela, notre école répond de manière personnalisée, est censée répondre de manière personnalisée à ces notifications édictées par la Maison du Handicap. Donc, une manière personnalisée de rendre compte du rapport scolaire, une manière personnalisée qui nous permet d'affirmer aujourd'hui que la population de ces jeunes, de ces élèves 10, n'est pas considérée par notre institution comme une population uniforme. Elle est constituée et elle est comprise aujourd'hui comme autant de réponses personnalisées, individuelles à mettre en place. Alors, tout au long de la scolarité, modulation des parcours. Vous avez parlé tout à l'heure, docteur, de parcours de santé. Nous mettons en place, dans notre institution, des parcours de formation, des parcours de scolarisation personnalisés. La Maison du Handicap notifie un certain nombre d'éléments et nous essayons, nous, de les traduire. De les traduire comment ? De les traduire par un certain nombre de dispositifs scolaires, j'y viendrai tout à l'heure, mais des dispositifs scolaires qui, chaque année, sont réinterrogés dans le cadre des équipes de suivi de scolarisation, noté ici ESS, pardonnerez l'acronyme, équipe de suivi de scolarisation, pilotée par les enseignants ou par l'enseignant référent. Cet enseignant référent a la charge, la mission, la responsabilité de convoquer autour d'un élève une équipe éducative, autour de chefs d'établissement, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et je m'arrêterai là, de convoquer une équipe éducative pour réfléchir, pour actualiser la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Chaque année, parfois plus, je sais que certaines académies ont fait le choix de le faire tous les 3 ans, j'en connais. Nous, dans notre académie, nous essayons de nous tenir, c'est pas facile, ça mobilise beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais de mobiliser une équipe de suivi de scolarisation pour chaque enfant, pour chaque élève, pour chaque jeune, chaque année. Des mises en stage personnalisées pour les élèves qui sont d'ailleurs en collège déjà, mais surtout en lycée professionnel, la possibilité de répondre de manière personnalisée aux mises en stage. J'en profite pour signaler que est organisé par cette académie le 19 novembre au lycée La Martinière-Montplaisir une journée, une après-midi d'atelier de découverte pour les élèves en situation de handicap, de découverte des métiers dans le cadre d'une convention que le recteur a signée avec l'université et l'association
Arpège. Arpège, association qui représente 43 entreprises nationales et internationales qui souhaitent travailler avec le milieu scolaire à la connaissance des débouchés et de l'insertion professionnelle. Des attestations de compétences en cas d'échec, c'est tout neuf, mais ça fait longtemps que nos enseignants et chefs d'établissement réfléchissaient dans les établissements à cette question. C'est tout neuf parce que les attestations de compétences en cas d'échec ou de non-passation d'examen, ça vient de sortir, si j'ose dire, dans la circulaire du mois de juin sur les unités localisées pour l'inclusion scolaire. J'en parlerai tout à l'heure. Un élève qui n'arrive pas à obtenir, voire même parfois à passer son certificat d'aptitude professionnelle, son CAP, ou son BEP, ça va bientôt disparaître, ou son bac professionnel, peut se voir attesté par l'équipe éducative, par l'équipe pédagogique, d'un certain nombre de compétences liées à la formation professionnelle, mais liées également au socle commun de connaissances et de compétences. Et ce sont des attestations de compétences qui sont aujourd'hui reconnues par les branches professionnelles. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui la possibilité d'aller en direction de l'insertion professionnelle sans avoir forcément dans sa poche intérieure gauche le diplôme en bonne et due forme. Autrement dit, l'une des responsabilités de notre institution a été depuis quelques années de ne plus seulement penser par acquis, penser par certification, mais penser de plus en plus par attestation de compétences. Les élèves, et ce, quelles que soient leurs difficultés, sont riches de tout ce qu'ils savent faire, et notre institution aujourd'hui progressivement se met dans cette perspective. Des partenariats, je parlais de l'association Arpège tout à l'heure, des ateliers de découverte des métiers, je viens d'en parler, une attention particulière dans le supérieur, je participerai la semaine prochaine à une équipe de suivi de scolarisation d'une jeune fille en classe préparatoire aux grandes écoles qui va passer, se préparer à passer l'école centrale, le concours d'école centrale. Elle a effectivement besoin d'adaptation d'examen, on en parlera tout à l'heure. Il y a des choses que nous mettons aujourd'hui en place. Si je peux, voilà. Alors, quelques chiffres, si vous me permettez, au niveau de cette académie, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez bien l'importance de la spécificité des troubles 10 que vous représentez aujourd'hui. 10 323 élèves en situation de handicap dans les établissements publics et privés dits ordinaires, c'est-à-dire qu'ici je ne chiffre pas les élèves qui sont scolarisés dans le cadre des unités d'enseignement relevant des instituts médico-éducatifs ou des instituts thérapeutiques, ITEP. Voilà.